Allô? Ah! Je m'excuse, mademoiselle, mais Pierrot Séguin dort. Rappelez plus tard, s'il vous plaît. Mais oui, mademoiselle, je le sais qu'il a fait un gros hit à Québec. Je suis sa grand-mère. Oui, mademoiselle, je vais lui dire que vous êtes prête à être présidente de son fan club. C'est ça, bonjour. Mais mademoiselle, je suis pas pour le réveiller. Il rentrait de Québec pendant la nuit. Ah, laissez-lui son dimanche pour se reposer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une fille qui veut être présidente du fan club de Pierrot. Je suis toujours bête pas pour le réveiller pour ça. Passe-moi la. Allô, mademoiselle? Ouais, c'est le grand-père de Pierrot Séguin qui parle. J'ai beaucoup d'influence sur lui, moi. Mais si vous raccrochez pas la ligne immédiatement, comptez pas sur le fan club, il n'y en aura pas. Hein? Oui, allô? Allô? Ça a marché. Ah! C'est vrai. Oh, mais est-ce qu'on va être obligé de répondre au téléphone toute la journée? Allô, Sûreté du Québec? Oh. Non, c'est pas chez Pierrot Séguin, c'est la Sûreté du Québec. Salut. Oui. Victor. Ben, c'est fini, là, les sonneries. Ah, non. Va-t-il falloir que je décroche la porte en plus? Où est-ce qu'elle est, notre vedette, là, que je l'embrasse? Mais comment est-ce qu'il fait pour dormir après une soirée comme hier? Mais justement, il s'est endormi à 5 heures du matin. Oh, c'était toute une soirée. Oh, Pierrot a eu une ovation debout. Puis tout le monde s'est gorgé ça là. Oh, mon Dieu, qu'on aurait dû y aller à Québec quelque temps. Mais non, Herman, c'est allé, puis elle va nous faire la description, le move par move. Ah oui. C'était la frénésie. Tout le monde se poussoyait pour entrer dans la loge. Moi, je me que je poussais. Lui, il tirait. Ben, je sais pas, c'est l'heure d'être un groupie. Ouais, pis t'es pas assez cute non plus. En tout cas, c'était excitant, ça avait pas de bon sens. Mais tout à coup, là, il y a... La cloche a sonné. Oh, mais c'est à peu près ça. Il y a un garde de sécurité qui a barré la porte. On n'a jamais pu voir Pierrot. Bonjour, Sylvie. Oh, excusez-moi, madame, c'est parce que je voudrais avoir un orthographe de Pierrot. Vous voulez dire un autographe? Non, un orthographe. Non, on dit un autographe. Mais écoutez, madame, on dit pas un autographe quand c'est un orthographe qu'on veut. Oui, mais enfin. Arrêtez, wow! Oh, oui, là! Yeah! Hey, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, Sylvie! Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle! J'en ai une autre grande nouvelle pour vous autres. Non! Un orthographe, c'est assez! Bon, ben, Pierrot, fais-nous pas languir, là. Qu'est-ce que c'est ton autre grande nouvelle? Mesdames et messieurs, j'ai décidé que dorénavant, j'allais produire mes spectacles moi-même! Ah! Mais là, vous me décevez, monsieur Pierrot. Comme ça, c'est pas vous qui avez chanté à Saint-Éphrem puis à Québec? Mais oui! Puis, qu'est-ce que vous dites de ma nouvelle? Vous êtes toute là, la bouche grande ouverte, là. Non, j'avoue que c'était une grande nouvelle seulement. Ça prend beaucoup d'argent, ça. Ah oui, 15 000 piastres qu'une banque de Québec m'a prêté. Monsieur Pierrot, es-tu prêt à prendre des risques pareils? À un moment, il y a beaucoup d'artistes qui se produisent eux-mêmes. Jean Lapointe, Ginette Renaud. Mais oui, mais eux autres, ils ont de l'expérience. Sois-tu comment? À un moment, la grosse argent est là. Je suis capable de me louer une salle puis de me faire une campagne de publicité moi-même. Mais Pierrot, chapeau! Ben, ah oui, il y a du gars. Il veut prendre sa carrière en main. Restez pas là. Il faut le féliciter. Félicitations, Pierrot! Félicitations! Je viens de toi! Félicitations, mon Pierrot. J'aime ça, un jeune homme qui fonce. Monsieur Paulvin, de quoi qu'on le félicite? Ben voyons, il se produit lui-même. Toutes mes félicitations, monsieur Pierrot, pour vos beaux produits. Et puis, si vous en avez d'autres de cuisine, ne gênez-vous pas, hein, parce que je suis acheteuse. Eh bien, mon cher Pierrot, chapeau. J'en suis tout ému. As-tu qui verse une larme? Pour moi, il y a un crocodile dans la maison. Oh. Oui, maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? Pierrot, là, quand j'étais jeune, c'était ça que je voulais devenir, un chanteur. Mais mon père voulait pas. Il m'a littéralement obligé d'arrêter mes cours de chant. Oh oui, mais vous me dites pas! Eh oui! Il disait que j'avais plus de talent pour les morts et que je pourrais chanter dans son salon funéraire si ça me tentait. Mais c'est pas drôle, ça, mon homme! Oh non! Au lieu d'être la relève de la chanson de 1940, je suis devenu la relève des salons funéraires de 1950. Pourquoi 1950? Mon père est mort en 1950. Ah.
et je l'enterrai moi-même. Hey, quel genre de chanson vous chantiez? Pierrot, me semble qu'il y a des choses plus intéressantes à discuter que les chansons d'Arthur. Non, ça m'intéresse. Depuis quand Pierrot s'intéresse aux chansons d'Arthur? Tu vois pas, là, qu'il est appelé à en passer une petite vite? Il va être bon comme producteur. Oui, ouais, c'est quel genre de chanson vous chantiez dans ce temps-là? Non, vraiment, là, ça peut pas vous intéresser, tout ça. Hey, dites pas ça. Toute la musique m'intéresse, moi. Papa, je trouve que leur histoire de chanson, là, c'est une drôle de toune. Le producteur est à l'ouvrage. Hey, envoyez donc, chantez-moi donc quelque chose, là, juste pour moi. Bon, ben, si vous insistez. Au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, j'irai la voir un jour. Hey, bravo! C'est extraordinaire, ça! Mais c'est fantastique! Vous aviez tout ce talent-là, vous! Hey, pis, mais c'est extra... Entendez-vous ça, vous autres? Arthur, tu devrais faire un fou de toi! Mais pas du tout, Hermance, pas du tout! Pierrot, ce que tu viens d'entendre là, c'était mon côté chanteur triste, mais j'avais aussi un côté chanteur joyeux. Chantez-moi ça, mon homme! Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Bravo! Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Mais vous aviez tout ce talent-là, mais vous en avez jamais parlé. Quelle perte! Entendez-vous ça? Oui, puis on n'en croit pas nos oreilles. Monsieur Leblanc! Qu'est-ce que vous diriez de prendre votre revanche sur votre père qui vous a brimé? Ça y est, l'arnaque s'en vient. Je vois vraiment pas où tu vas en venir, Pierrot. Elle voit moins, toi, il y a bien des scènes là-dedans. Monsieur Leblanc, je vous offre de faire du show business. Oh, bingo! Là, ça va y en coûter une beurrée, là. Vous savez que la banque m'a passé 15 000 $ Oui. Et bravo encore une fois, Pierrot. Ben, je vous offre la chance de vous intégrer dans le show business parce que vous le méritez. Moi, dans le show business? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Pierrot? Faire ce que la banque m'a demandé de faire, me trouver un endosseur pour mon 15 000 $ Qu'est-ce que vous avez dit? Mais je... Mais si Pierrot perd tout l'argent? Ben oui, attends, dis-lui que tu vas le rembourser. Voyons, tu vas y remettre. Il n'a pas un sou. Je le sais qu'il n'a pas un sou, je le sais, mais bon Dieu, laisse-moi le temps de réfléchir. Attends un peu. Dis-lui que tu vas le rembourser en chantant dans ses funérailles jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Mais oui! Oh oui, c'est ça, voyez donc. D'accord, j'accepte. À une condition. Laquelle? À condition que je chante dans ton spectacle, Pierrot. Hein? Oui, je vais chanter dans la première partie en vedette américaine, comme on dit. Puis toi, tu fais la seconde partie, la vedette. Arthur, es-tu tombé sa tête? C'est à prendre ou à laisser. Oh, voyons, Arthur, ça n'a aucun bon sens. Des plans pour vider la salle. Vider la salle? Vider le quartier au complet? C'est ça ou rien. Oh. Hey. Bon, non? J'accepte! Hein? Oui, là, c'est de la folie furieuse! Hey, donnez-moi une camisole de force, quelqu'un! Donnez-moi une camisole de force! Vous voudrez bien m'excuser, je vais faire des vocalises. La 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 la. Tu me dis que c'est que t'as dans la tête, toi? Plutôt, mais tu me dis que c'est que t'as pas dans la tête? Du calme, gars. Tout ce qui nous reste à faire, là, c'est de faire attraper à Arthur une grosse extinction de voix pour mon prochain spectacle. Mais Patrick, je le sais que ça a été beaucoup te demander de prendre notre place au magasin de fleurs pendant 2 semaines, mais il reste juste une journée. Oui, c'est ce soir, le spectacle! Oh, veux-tu des billets gratis, Patrick? Allô? Allô? Viens refermer la ligne. Une belle affaire, ça, là. On saura jamais s'il y avait des billets gratuits ou s'il n'y en avait pas. Voulez-vous même dire ce que vous faites au téléphone? Mac, c'est pas le temps, là. Oui, attendez, pas trop nerveux, votre gars. Moi, nerveux. J'ai-tu l'air d'un gars nerveux? Ah, voyons.
Qu'est-ce qu'elle fait là, cette affiche-là? Les affiches, faut qu'elles soient dans la rue, dans les restaurants, c'est pas tôt, pas ici. C'est pas pour nous autres, les affiches, c'est pour le monde. Ben oui, non, non, je n'ai gardé juste une en souvenir. Mais c'est pas le temps des souvenirs, faut d'abord faire quelque chose avant d'avoir des souvenirs. Ah, non, mais Pierrot, là, ça suffit, hein? On se fait en quatre depuis deux semaines pour t'aider, ça fait que arrête de crier après nous autres. Ben oui, excusez-moi, grand-maman, mais j'ai peur. J'ai peur, j'ai pas dormi de la nuit, puis là, j'ai peur de m'endormir pendant le show. Oh, mais ça, ça m'étonnerait. Hey, OK, là, on va tout récapituler là, pour voir s'il nous manque pas quelque chose. Oui, oui, d'accord. Alors, as-tu tes musiciens? Oui, oui, ben oui. Écoute, ça fait dix fois que je répète avec eux autres. Ils sont prêts. Tes affiches? Ah, il y en a partout. Là. Vous êtes sûr? Ah, mon Dieu, mes pieds peuvent en témoigner. J'ai mal aux pieds depuis une semaine et demie, moi. Non. Ton costume? Check. Bon, ta tête? Check. Monsieur, pas de vin, vous êtes pas drôle. Hey, là, il manque quelque chose, je le sens. Je le sens, il manque quelque chose. Mais t'as arrêté de t'en faire. Non, il manque quelque chose, je le sens dans mes tripes. Ah! Oh. Ça sert à rien. J'ai tout essayé. As-tu un repas d'extinction de voix? Je savais que quelque chose qui marchera pas, je savais. Hey, j'ai baissé le chauffage. J'ai fait nettoyer le frigidaire sans le dégivrer. Pendant qu'il dormait, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la chambre. J'ai fait coucher le pas de bobette. J'ai mouillé la tête, puis j'ai même mis une fan dans la chambre pour faire des courants d'air. Y'a rien que j'ai pas fait. Ah, y'a pas de rien que j'ai pas fait, vous allez trouver quelque chose. Bon, au grand mot, les grands-mères d'Armand, viens-t'en, moi, j'ai trouvé quelque chose. Bonheur vous, hein? Ben, c'est ça, allez-vous-en, laissez-moi tout seul, laissez-moi tout seul. Arrête de crier, hein? Excusez-moi, grand-maman, mais là, là... Non, non, tout est sous contrôle, puis là, t'es fatigué, ça n'a pas de bon sens, alors va faire une sieste. Mais voyons donc! Non, pense à ta performance de chanteur, à toi. Si t'es fatigué mort, tu seras pas bon. Non, vas-y, faire une sieste. Mais voyons, hein? Grand-maman, ça sert à rien, je le sais que je dormirai pas, je le sais. Mais voulez-vous me dire ce que vous avez l'intention de faire avec ce bloc de glace? À tuer dessus. Comme ça, il va attraper l'extinction de voix des deux bouts. Allô, as-tu, Sir Mars? On a besoin de toi en haut, le bout. J'ai dit monte en haut. Ah. Puis vous croyez qu'il va s'asseoir dessus de son blingré? Ben voyons, Hermance, ça marchera pas. Femme de peu de foi. Merci, papa. Comme ça, ça va avoir l'air d'un vrai pouf! Mais, papa, passe-moi donc les programmes sur sa table, puis mets-les sa table à café. Bon, arrive, toi! Mais on a besoin de toi, là! Penses-tu qu'on va tout faire l'ouvrage tout seul? Collabore! Ma chère Hermance, ma collaboration à ce spectacle est beaucoup plus importante que la tienne. Je chante, moi! Ah oui! Vous chantez! J'en suis fort aise! J'ai bien plié maintenant! Hermance, j'ai autre chose à faire. Comme quoi? Entre autres, aller manger le pop-corn que Sylvie est en train de faire. Hey, c'est au théâtre qu'on va. Tu veux pas une petite vue? Lâche-moi le pop-corn. Madame Leblanc! Bon. Mais qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Oh, Madame Leblanc, c'est épouvantable. J'étais en train de faire du pop-corn à monsieur. Mais oui, mais calmez-vous, là. Dites-moi ce que vous avez fait calmement. Mais oui. Parce que M. Leblanc m'avait demandé de préparer du pop-corn. Ouais, ouais. J'ai pris le gros sac là, avec les petites boules dedans là, que vous aviez acheté. Ouais. Après ça, j'ai vidé le gros sac là, avec les petites boules dedans, le chaudron. Puis j'ai mis le chaudron sur le feu. Toutes les petites boules? Toutes! Ouais, mais c'est pas grave. Regardez, là, Sylvie, puisque vous avez mis le couvercle. Quel couvercle? Ah, mon Dieu! C'est ça que j'essayais de vous expliquer. C'est épouvantable, Madame Leblanc. Il y en a partout! On dirait que c'est la guerre! Mais c'est la guerre! Hey, moi, faut que j'aille voir ça. Oh, mais bon! Pierrot, on revient tout de suite! Hein? Qu'est-ce que vous dites, grand-maman? Délicat popcorn, ça donne une belle couleur à ta fille, ça. Oh, Dieu! Pierrot, réveille-toi! C'est pas de le réveiller qui est important, c'est de l'ôter de sa glace. Lève-toi de là, s'il vous plaît. Puis, Pierrot, comment tu te sens? Oui, je me sens très bien. Oh non! Je me sens très bien. C'est notre chanteur qui a une extinction de voix. Je lance vite une pause. Envoyez pas chercher du citron, du miel, de l'eau chaude, puis du gros gin. Ah ouais, viens donc. Vas-y. Ah,
inquiétez-vous pas. Les roulettes, ça va marcher sur le chaud. Le show, ça va marcher comme si des roulettes. C'est une belle affaire, ça. Il a retrouvé la voix, puis là, il est pacté. Oh là là. On va lui donner une douche d'eau froide. Non, non, Puis, es-tu dessoulé, là? Oui. Es-tu sûr? Ouais, je suis dessoulé. Hey, là, c'est fini le liaisage, là. Va t'habiller, puis envoie à l'hôpital pour une shot de démosignol. Ah ouais, fais ça vite. Non, j'insiste, M. Leblanc. Vous êtes tellement un bon chanteur, là, faut que vous passiez en deuxième partie. Mais pourquoi? Arthur, vous réalisez pas ce qui se passe. Pierrot a peur de votre compétition. Mais non, voyons. Ah, il a peur que vous lui voliez la vedette si vous chantez en première partie. Il a peur que le public, après vous avoir entendu, soit déçu de le voir monter sur la scène. C'est ça. Ah, hein, c'est ça. C'est exactement ça. T'inquiète pas, Pierrot. Je comprends. Pas son premier. Moi, je chanterai après. Bon, elle demande comment c'était rentré un peu. À pleine porte. Je savais que ça marcherait, je savais. Ah, mais ça, c'est drôle, hein, parce que tantôt, moi, quand je suis arrivée... Vous n'avez pas trouvé votre chaise. C'est bien vous, mais ça. Non, mais j'étais dans la salle, puis... Je vais vous montrer votre chaise. Non, je sais où ce qu'il est, votre chaise. Votre siège est ici, proche du stage. Assisez-vous, là, puis restez assise. Oui, madame. Savez-vous une chose, grand-maman? C'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui? Oh, ça, bien sûr, Pierrot. Puis c'est grâce à vous si je l'ai fait, hein? Oh non, je t'en supplie, dis pas ça, Pierrot. Voyons, grand-maman, faites pas votre petite humble. Vous savez que c'est grâce à vous. Babé, le public rentre toujours, hein? Ah oui, oui. Ah. C'est pareil comme avant. Bon, ben, moins cinq, là. Ouais. C'est le temps d'y aller, hein? Ouais. Là, c'est le temps de montrer au monde de quoi je suis capable. Attends un peu, là. Moi, j'ai une idée. Sais-tu ce que tu devrais faire pour avoir un succès encore plus gros, là? C'est que tu devrais te faire attendre. Absolument! Tu devrais te faire désirer! Ah oui! Prends ton temps! Laisse rentrer le monde! T'es pas pressé, toi! T'es une vedette! Ouais! Monsieur Potvin, laissez-moi passer. Il se passe quelque chose, là, vous me cachez quelque chose. Oh, non, Pierrot, ouais, non. Hey, on peut pas faire attendre le monde indéfiniment. Pierrot, peux-tu rester calme? Laissez-moi passer. Bon. OK. OK. Oh, pauvre Pierrot. Mais Rose, écoute, c'est pas la fin du monde. C'est là qu'on va voir si Pierrot, hein, c'est un homme. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a juste une dizaine de personnes dans la salle. Quoi? Je vous avertis, moi, je ne chante pas s'il y a seulement 10 personnes. Dix personnes? 15 000 $ Il va me chanter 2 408 de mes services gratuitement. Pierrot, apprends le grégorien, tu vas en avoir besoin. Hey, Pierrot, dis quelque chose. Grand-maman, il y a 10 personnes qui sont venues me voir chanter. Faut pas que je les déçoive. Oh. Ouais, ben, c'est tout un petit fils que t'as là, Maléro. Oh. Yeah! Yeah! One for the money. For the show, three to get ready now. Go, cat, go. Oh, don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do anything to lick off of my blue suede shoes. Down, step in my face, slanting my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lick off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes? Steal my car, drink my cider from my old food jar. Do anything that you wanna do. Ooh, ooh, ooh.
way up my shoes. It hurts you. Step on my blue space shoe. Well, you can do anything off in that blue space shoe. Watch out. Blue, blue, blue sweet shoes. Blue, blue, blue sweet shoes. Blue, 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 blue sweet shoes. C'est pas? Oui, bon. Ça sera pas la fin. C'était gris là-bas. Oui, et après, c'est pas 19h, c'est 9h! Yeah! One for the money, two for the shoe. Three to get ready, now go, can't go!